Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter un nouveau téléphone, le Note 6, qui n'est rien d'autre que l'évolution du Note 5 qui est sorti l'année passée. Le Note 6 vient avec les dernières innovations en matière de technologie mobile. Comme vous pouvez voir sur le package, on a les innovations qui sont figurent déjà sur le package. On a le stylo optique que Infinix appelle le X-Pen et la technologie AMOLED avec les caractéristiques techniques qui sont les 64 Go de mémoire et les 4 Go de RAM. Et les innovations qui sont à l'intérieur, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans la vidéo unboxing. Mais avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur les nouvelles technologies. Je suis Aboukam du site aboukam.net, votre média 100% digital. Sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo déballage, unboxing. Donc on va s'intéresser maintenant à l'élément le plus important qui est le téléphone. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà un aperçu du Note 6 que vous pouvez voir. Donc sur le côté déjà, on a l'éjecteur de la puce que vous pouvez voir. On peut insérer 2-4 SIM avec une carte mémoire d'ailleurs. Donc vous pouvez le voir sur ce côté. Donc on a aussi ensuite en haut, nous n'avons rien en haut. En bas, nous avons les câbles de l'écouteur, le trou de l'écouteur, ensuite le micro et le trou du chargeur qui est juste en bas. À côté, on a juste le micro que vous pouvez voir ici. À côté du micro, on a le X-Pen. Le X-Pen, c'est l'une des particularités du Note 6 parce que avant Infinix, la série Note venait avec la version Pro, mais cette fois-ci on a le stylo optique, le X-Pen de Infinix qui vient avec la version normale du Note, qui est le Note 6 ici. Vous pouvez voir, voilà. Donc on va remettre le stylo optique à sa place, ce que Infinix appelle le X-Pen, et on reviendra après. On continue encore sur l'autre côté, on a juste le bouton d'allumage qui est de ce côté là comme vous pouvez le voir ici. Ensuite le bouton de volume qui est présent sur tous les téléphones, juste en haut. Bon, derrière on a le capteur d'empreinte digitale qui est juste là, comme sur la version précédente de la Note. Et on a les trois caméras à l'arrière. On a 2 mégapixels, 8 mégapixels et 16 mégapixels. Voilà, donc on a l'inscription de Infinix qui est ici. Ensuite, la Note 5 qui est la version du smartphone. Voilà. Donc on revient sur au niveau de l'écran, voilà, qui nous présente déjà les différentes caractéristiques que vous pouvez voir. L'écran qui fait 7,7 avec un design ultra, et on dit la batterie dure de 3 jours de charge. C'est une batterie qui charge rapidement et se décharge lentement, comme on a vu derrière. Voilà les trois caméras qui sont figurées ici. On va juste enlever et on va allumer le téléphone. Avant d'allumer, on va s'intéresser d'abord à l'écran. L'écran qui est vraiment bien designé avec les caméras, cette caméra frontale que vous pouvez voir
qui fait office de 16 mégapixels avec flash qui est juste accouplé avec le microphone du téléphone. Donc on va allumer pour voir. Voilà. Donc le Note 6 démarre. Normalement ça ne doit pas durer. Voilà. Pendant que ça démarre, on profite pour dire que le design du Note 6 est vraiment intéressant et vraiment léger par rapport au Note 5 qui est sorti l'année passée. Vraiment fine, qui tient vraiment dans la main et c'est léger par rapport au Note 5 qui est sorti l'an dernier. Donc on va faire la prise en main.